Transformer le cacao en chocolat, produire des jus de fruits naturels, voilà l'ambition que s'est donnée cette vingtaine de jeunes Camerounais retenus dans le cadre du programme Archipelago de la Chambre de commerce et des industries minières et artisanales du Cameroun. Sous financement de l'Union européenne, l'Institut agricole de Bala, à travers les formations du système dual, affûte les futurs entrepreneurs qui ont chacun déjà une vision globale de leur projet. Je fais dans la transformation de cacao. Ma motivation, c'est que dans mon village, il y a des artisans qui produisent du cacao mais n'arrivent pas à le transformer. Et j'ai donc choisi, je me suis lancé dans le projet pour pouvoir participer au développement de ma localité. J'ai choisi la transformation agroalimentaire, précisément la filière cacao. Je me suis rendu compte que dans ma localité, précisément ici au Bala, on a beaucoup de cacaoculteurs. C'est la matière première lorsqu'on veut faire dans la transformation du cacao en soit chocolat, chocolaté et autres. Je suis très satisfait de faire partie de ce programme. Pendant 4 mois, ils vont subir une formation à la fois pratique et théorique au campus de l'IAO avant d'aller en entreprise toucher du doigt les réalités objectives qui vont les aider à mieux cerner les contours de leur formation. La formation est à grands axes. Nous avons la formation sur site et la formation en entreprise. Dans les formations sur site, c'est majoritairement les formations théoriques couplées aux expériences pratiques, c'est-à-dire aux tests, au line by doing, comme on dit habituellement. Les jeunes ici seront appelés à faire des cours en salle et quelques matérialisations à l'extérieur, mais ils resteront toujours dans le cadre du campus. Hors ce cadre, ils auront aussi un stage où ils auront ce qu'on appelle là, des référents. Ils pourront manipuler dans un quotidien permanent les activités qu'ils auront vues en cours ici à l'Institut. Et dans le domaine de l'agroalimentaire, vous savez que c'est un secteur qui est très, 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 très délicat. Donc, il faut beaucoup d'attention là, les différentes opérations. Donc, les jeunes qui seront sortis d'ici seront hyper qualifiés, ils seront très bien. Le plateau technique de l'IAO est assez fourni pour pouvoir leur donner la compétence nécessaire pour pouvoir s'imprimer ou bien s'implanter à leur sortie. Grâce à ces résultats, le système de formation duale est reconnu comme méthode miracle d'incubation des startups au Cameroun, une expertise développée à l'IAO. Entre autres, nous avons les modules entrepreneurial, le module sur l'éducation financière, les modules sur l'éducation à la citoyenneté. Dans le cadre de l'agroalimentaire même, nous avons les modules sur la qualité, hygiène et sécurité. Nous avons les modules sur la matière première et nous avons un volet qui est sur la transformation proprement dit dans les ateliers. À terme, le milieu du commerce et de l'industrie au Cameroun pourra accueillir des jeunes hommes et femmes capables de transformer localement les produits agricoles. Parmi les missions de la Chambre de commerce, nous avons aussi une mission, nous avons une mission de formation professionnelle. Donc, nous avons saisi l'opportunité offerte par l'Union européenne dans le cadre du programme Archipelago pour répondre à cet appel à proposition sur un format de formation duale. Nous avons choisi les métiers de la réparation automobile et de la transformation agroalimentaire et plus loin l'entrepreneuriat. Nous avons ciblé des centres comme l'IAO de très bonne facture pour y loger nos jeunes sur un des métiers. À l'IAO, nous sommes avec les jeunes sur les métiers de la transformation agroalimentaire. La première phase de ce programme vise à former d'abord 80 jeunes avec un objectif clair, camerouniser les étalages et les rayons des grandes surfaces, un pan de notre économie qui nous échappe encore.